Salut tout le monde, allez c'est parti. Alors maintenant, après la première vidéo du Magic V, du bateau, du petit bateau charbon, j'ai pu enfin essayer avec toute mon installation brushless dessus. D'origine, je vous rappelle qu'il est vendu, donc c'est le Magic V par Just Way. Il est vendu avec un moteur charbon, un tout petit moteur charbon 180 et une batterie NIMH 6 volts. Et moi, je l'ai passé en brushless 3S. Là, ça n'a rien à voir. Déjà d'origine, dites-vous que franchement, il est rigolo. Il est assez coupleux. Il arrive vite à sa vitesse de pointe. Mais dans une piscine assez grande, déjà, on commence à rigoler. À savoir que, et moi, ça, je ne le savais pas au début, il est prévu pour tourner plus à gauche qu'à droite. On va regarder à l'intérieur ensemble. Je vais vous montrer les modifications que je lui ai apportées. Franchement, j'y ai fait beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est une bombe. Donc, j'ai commandé sur AliExpress un combo. Un combo brushless variateur, 21 euros le tout. Brushless, le moteur c'est un 4500 kV qui prend le 2S et le 3S. Alors j'ai fait les essais et je vais vous envoyer les images tout de suite. Vous inquiétez pas. L'intérieur, alors j'ai mis le petit moteur brushless 4500 kV ici. Il chauffait énormément. Donc je lui ai créé, avec l'aide de Mathieu, merci Mathieu, un système de refroidissement avec ce serpentin que j'ai enroulé autour du moteur. Donc j'ai repris le tube d'arrivée d'eau pour refroidissement d'origine qui entre nous, soit dit, ne sert à rien. Donc ce tube, je l'ai fait passer ici. Ça passe dans le serpentin et ça ressort sur le côté, là. Donc ça rentre ici et ça ressort sur le côté. J'ai fait tous les tests avant, ça marche très bien. Alors pour enrouler autour du moteur, j'ai pris de la tige à l'atelier du pilote, du tube d'alu. J'ai pris un bout de bois du même diamètre que le moteur et je l'ai enroulé tout doucement. Au début, ça a coudé et après, ça s'enroule. Donc ça, c'est super. Alors après, il a comme transmission une durite. En fait, c'est une sorte de petite durite qui part directement sur l'arbre de transmission jusqu'à l'hélice. Donc ça, je l'ai gardé. Je lui ai mis un récepteur Futaba. Bon, j'avais que ça. C'est pas un récepteur étanche, donc il faudra faire attention. Un récepteur Futaba, comme ça sur ma radio la 3PV, je peux y mettre pas mal de modèles et puis surtout que j'avais que ça. Donc je me suis dit, on va voir si ça marche et ça marche très bien. Donc je lui ai fait sortir l'antenne ici, l'emplacement qui sert déjà d'origine pour faire sortir l'antenne. Donc j'ai rajouté un tube d'antenne. Voilà. Donc voilà la modif principale, moteur. Le variateur, il est là au fond. Là-bas, on le voit. J'ai dû équilibrer le bateau avec un petit plomb comme on met dans les crawlers, là-bas, de 5 grammes, parce qu'il était un peu penché à droite. Maintenant, une fois l'équilibrage fait, il reste bien droit. Voilà les modifications que j'ai faites. Donc, moteur, le combo AliExpress, j'ai payé, je crois, 21 euros si mes souvenirs sont bons. Je crois que le récepteur, il vaut plus cher que le combo. Bref. Donc, je lui ai mis le récepteur, le combo brushless, qui prend 2S et 3S. J'ai fait les images. Alors les images, c'est un test en 3S. On refait un débrief tout petit. Après les images, c'est parti. On va voir en 3S. Alors, il faut aller doucement parce que... En fait, sinon, il tient vite. C'est presque trop. Thank you.
Donc là, on voit que le tourbillon que j'ai fait, il est vraiment efficace. Parce que le moteur, bon, il est très chaud, mais beaucoup moins que sans le tourbillon en alu, là. Donc ça, eh ben, bien content de l'avoir fait et ça marche. Donc l'eau, elle rentre par là et elle sort par là. Donc retour ici après l'essai. Alors ça va très vite. On dirait peut-être pas vraiment sur la vidéo, mais c'est presque trop. Alors j'ai fait l'essai en 3S, mais le mieux, c'est la 2S. Pourquoi ? Parce qu'en 3S, l'hélice, elle va dégager tellement vite l'eau derrière qu'il va caviter. Donc il va pas arriver à capter assez d'eau pour se propulser. Donc il va falloir baisser un peu la puissance, donc en 2S, de façon à pouvoir exploiter à fond la 2S et vraiment profiter. Aussi, j'ai vu qu'il avait tendance à sautiller et à s'envoler tellement. Donc je pense que je vais essayer dans le futur de l'alourdir un peu avec des petits plombs de crawler comme j'ai fait à l'arrière. Mais du coup, il faudra que je le lance parce que sinon il va avoir tendance à rester les fesses dans l'eau. Bon, après, c'est pas bien grave. C'est des petits peaufinages, mais en tout cas, le rendu est terrible. Il est quand même vulnérable aux toutes petites vagues. Mais on peut quand même s'amuser. Pour un petit bateau comme ça à 59,90€ plus 20€ de combo, franchement, ça vaut le coup. Et si vous avez 70€ pour tester, faites-le, vous allez voir, il miaule, il pousse, c'est excellent. Modification réussie, je suis content, ça fait une petite bombe en plus à la maison. Et voilà. Bon, ben les amis, allez, restez à la clim, allez vous baigner et à la prochaine vidéo. Voilà, ciao, ciao.